Vu toutes les actions que le ministre d'État a menées depuis son accession à ce poste donc de ministre d'État, nous avons un pays qui est en sécurité. Et malgré donc cette menace terroriste qui est présente dans la sous-région, la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui a réussi à faire face donc à cette menace. Et au-delà de cela, nous voyons comment il a réussi à changer la région du Tchologo, qui est aujourd'hui en chantier à tous les niveaux, que ce soit infrastructurel, que ce soit la population, la jeunesse, les femmes. Et pour nous ne pouvons que donc saluer cette reconnaissance de son action.